prolongé ñeu ni ba ci kanam té jëm bëpp jëm ci ci carte de santé donc carte de santé bi mo nekk ni donc ñu wax né population bi mën nañ ko xayma ci 1800 habitants yo xam nañ ñoo fi nekk père mo ka ko tay génné parce que nit ki tan bo gisé ndey grawa ci mom nga lér lu ba xam ko dang ko fa manquer tan on ndey grawa sok ba nga xam na kon jigen guy neuf ngayu grawali la soko bëgg ñatt doom nga wala doom gi na wuji am ñaat ak la am wax nak docteur moy que ne tay li nga gis ak neew ñu présenter ko ay stratégie la muy stratégie grammaire muy cercle utilisation du GW3 mu am yeneen stratégie kuy melni cercle de solidarité avec les femmes enceintes wala sax cercle de solidarité avec les maris des femmes enceintes yoy stratégie yépp ñukoy utiliser pour mu ñëw diñu jappalé ci liggéey bi nga xamanteni bi ñu ngoy def au niveau communautaire ñu yaakar né biñ ko dalé door ba légui amna impact bo nga xamanteni bi gis nañ ko parce que déjà suñu sukkandiko ci liñu sétane li li lu muy gatt gatt rek da fay woné bern que les femmes maîtrisent le jeu parce que pour nga mëna jouer li faut nga maîtriser li nga xamanteni bi mom ci mom lañ ci waxtane kon lolu lu am solo la kon ñi nga xamne gis nañu ñoy représenter femmes yi nga xamne ñu ngi koy jëfé japp nañu ne li ñu xam ñom lolu la jigéenu bentani bi yépp xam kon lolu dañuy déllu di ci jaajeufal acteur communautaire yi nga xamanteni bi ñom ñoy doxal liggéey bi ci biir city mais également faut buñu tuddé acteur communautaire tuddu infirmier chef de poste bi nga xamne mo doon sen superviseur direct muy kan Massali parce que biñuy ñew ñu ngi koy wax biñuy naan Massali mané man Massali yalla dafa def suma ko gisé mu téré sama xel day dal parce que wax deug yalla responsable la mais également ci ni muy défé ak ci ni muy waxé da fay won nit ñi né mom li ñu tek ci loxom bëgg nako mën nako waye surtout la berna ci té défé na ci centre communautaire daf ci am solo on effectuer justement pour voir dans quelle mesure on peut capitaliser les expériences communautaires qui sont déroulées au niveau de la zone en faveur de l'initiative Badianoko. Et donc, à ce propos, nous avons eu à visiter un poste de santé, nous avons eu à visiter aussi une case de santé, nous avons eu à assister à une séance qui est appelée stratégie grand-mère, nous avons eu aussi à assister à une séance de jeu W3. Donc, pour résumer, je dirais que mes impressions sont très favorables. Nous avons été favorablement impressionné par la qualité de l'organisation communautaire que nous avons trouvée dans cette zone. Par organisation communautaire, j'entends d'abord par rapport aux activités qui sont offertes dans le cadre de la santé communautaire. Nous avons vu qu'il y a une grande organisation et que cette organisation-là peut être profitable à toutes les entreprises qui vont vouloir s'inscrire dans le cadre d'une durabilité, d'une pérennisation des actions. Vraiment, je trouve qu'au niveau même des cases, de la case que nous avons visitée, la case est très, très, très bien entretenue. Il y a beaucoup de choses favorables par rapport même à l'affichage. Il y a beaucoup d'instructions qui sont affichées au niveau de la case. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Il y a aussi un certain nombre de prestations qui sont faites au niveau de la case, qui sont aussi qui ont pour eu le mérite de susciter l'aval et l'accompagnement des autorités. Parce que aussi, il faut reconnaître que nous avons aussi été très favorablement impressionnés par la qualité de l'accueil. Et souvent, là où nous sommes présentés, nous avons vu que c'est les autorités de la zone qui se présentent à nous pour nous accueillir. Et donc pour nous, nous jugeons que c'est quelque chose de très favorable. Et ça prouve que ces personnes ressources qui sont issues de la communauté ont vraiment compris qu'ils ont un rôle important à jouer en faveur de la santé communautaire. Par rapport aux impressions aussi, il faudrait que nous rendions hommage aux acteurs communautaires. Il faut qu'on rende hommage aux acteurs communautaires parce que nous avons vu qu'ils abattent un travail formidable au niveau des zones respectives que nous avons eu à visiter. Et donc c'est l'occasion de leur rendre hommage et de magnifier aussi, parce que tout ce qu'ils le font de manière volontaire.
Et donc vraiment, c'est quelque chose aussi qui nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Nous rendons hommage aussi au partenariat représenté ici par Child Fund, parce que depuis l'entame, nous avons compris qu'il nous fallait nous rapprocher de Child Fund pour pouvoir capitaliser les expériences communautaires qui sont en train de dérouler. Et je dois avouer que aussi nous ne sommes pas déçus par rapport à ça. Nous avons vécu beaucoup de choses intéressantes. Parce qu'hier j'étais à Thiès, aujourd'hui je suis à Hambourg, mais c'est toujours dans le même cadre. Nous avons vécu beaucoup de choses intéressantes qui nous ont beaucoup appris. Et nous en remercions Child Fund. Nous en remercions aussi le district, parce que je pense aussi que le district, dans toutes ses composantes, a reconnu l'importance du partenariat avec Child Fund. Et je pense qu'il joue aussi vraiment le jeu par rapport à ce partenariat pour le plus grand bien de la communauté. C'est un concept qui est fondé sur une approche communautaire. C'est-à-dire comment impliquer les communautés pour la résolution des problèmes de santé. Donc le concept de Badjanogor, ce n'est rien d'autre que faire appel aux femmes leaders, aux personnes ressources de la communauté, en l'occurrence les femmes leaders, qui sont des femmes responsables, qui sont des femmes qui sont reconnues par rapport à leur leadership, qui peuvent nous aider à renforcer l'utilisation des services de santé de la reproduction. Parce que l'objectif général de l'initiative Badjanogor, qui est une initiative qui a été proposée par M. le Président de la République pour contribuer à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Les objectifs du millénaire pour le développement, c'est d'ici 2015, réduire de 3/4 la mortalité maternelle, et réduire de 2/3 aussi la mortalité infanto-juvénile. Et donc nous avons fait, au niveau du ministère de la Santé, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits en matière d'offres de services et en matière aussi de subvention de certains actes, comme par exemple la gratuité des césariennes, etc., etc. Mais nous nous sommes dit que pour pouvoir être au rendez-vous de 2015, il faut qu'on mette davantage l'accent sur la communauté. Et donc le concept de Badjanogor, pour nous, pour qu'il puisse perdurer et pour qu'il puisse engranger des résultats, il faudrait que nous nous inspirons de ce qui se passe au niveau de la communauté. Donc il faut qu'au moins qu'il y ait au niveau de la communauté un dispositif communautaire fort qui puisse insérer l'initiative Badjanogor. Pour lequel nous nous félicitons. Parce que Child Fund, comme je l'ai dit tantôt, par rapport même à l'initiative Badjanogor, nous avons beaucoup profité de l'expertise de Child Fund en matière de santé communautaire. Même par rapport à la rédaction des documents, nous avons tenu des séances de travail avec les responsables de Child Fund. Et par rapport à ces séances de travail-là, nous avons beaucoup capitalisé tout ce que nous avons pu discuter, tout ce que nous avons pu retenir par rapport aux discussions avec Child Fund. Et nous disons aussi que c'est un partenariat qui va continuer, qui doit s'inscrire aussi dans la durée, parce qu'en matière de santé communautaire, nous avons aussi beaucoup de choses à mettre en place. Et donc nous, vraiment, nous nous félicitons de partenariat qui prévaut entre le ministère de la Santé et Child Fund. D'autant que vraiment, ce que j'ai vu, c'est la première fois que j'ai eu l'occasion de visiter des activités de terrain, ce que nous avons vu sur le terrain nous conforte par rapport au fait que Child Fund a un grand rôle à jouer par rapport à l'amélioration de la santé des populations, parce que Child Fund met l'accent sur la santé communautaire. Et nous pensons que c'est très important aussi de conscientiser, de sensibiliser les communautés pour qu'elles s'approprient leurs problèmes de santé. Et vraiment, c'est ce que nous avons vu sur le terrain.